C'est la 02 médium Speranza. Ça fait un peu une sorte de terracotta, bronzer, blush, etc. Un glam bronze. Poudre bonne mine, visage et corps. Pour le corps, je vois pas trop. Bon, enfin bref. Ensuite, j'emmène mon crayon contour des yeux de chez Action. Pareil, je vous renvoie dans mon crash test. Le concealer, pareil, de chez Action, de chez Max & More, qui va très très bien. Mon chouchou, le télescopique Extra Black de L'Oréal, mon mascara préféré. C'est vraiment mon number one. Il est même mieux que le Better Than Sex de Too Faced. J'emmène aussi de la marque Mickey de chez Action un mascara bleu. Voilà. J'emmène d'ailleurs, je ne sais pas si on verra, c'est un highlighter de la marque LOL, donc la gamme à 1 € de chez Biss Maquillage, crème Illuminator. C'est un rose en crème, hein, tout simplement. Voilà, donc il faut vraiment prélever très très peu, tapoter. Voilà, ça se présente comme ceci. Je me suis dit, je ne vais pas emmener mes palettes d'highlighter. Hein. Voilà. Ensuite, j'emmène mon eyeliner, crayon noir, hein, tout simple, rétractable. Je me suis dit comme ça, pas la peine de le tailler. Voilà, que j'avais eu dans mon swap avec Lydie Coco. Enfin, notre échange un peu vide-placard. Oui, c'était un échange vide-placard. Il est très très bien. Et ensuite. Non, c'est pas ensuite. J'emmène ma palette Barbie que j'adore. Je vous ai fait donc. Je vous renvoie sur ma vidéo crash test. Voilà, que je valide totalement, à part les gloss. C'est quand même une catastrophe. Mais quand même, la couleur a bien tenu. Mais voilà quoi. Enfin, je vous renvoie sur mon crash test. Donc, je l'emmène. Je l'adore, cette petite palette. Elle est trop trop mignonne. Alors, où est-ce que je vais mettre tout ça? Ensuite, j'emmène mon spray fixateur de maquillage de la marque Modelite. Et j'emmène ensuite un. Comment ça s'appelle? Ma base à paupières de chez Urban Decay. Voilà. J'ai mis la petite étiquette dessus. Et pour ne pas la prendre avec les doigts, j'emmène un petit pinceau comme ceci. Normalement, c'est un pinceau eyeliner, mais je me suis dit que je vais le prendre pour le poser. Voilà. Il en reste encore pas mal. Hein. Donc là, ça n'a pas bel aspect, mais bon, c'est une base à paupières hein, de la marque Urban Decay, hein, toujours le même. Je la préfère à celle de chez Too Faced, d'ailleurs, la base d'Urban Decay. Et voilà, bah, je vous ai montré tout ce que j'emmène en produits de beauté, etc. Donc, j'emmène cette petite palette aussi, hein, vous voyez, comme ça j'aurai le choix dans les couleurs si je veux un peu du rose. Car la palette Barbie, il n'y a pas trop non plus de choix de couleurs, mais elle est vraiment très très bien. J'aurais pu très bien ne prendre que ça aussi hein, comme make-up. Hein, voilà. Bah écoutez, la vidéo aura quand même duré plus de 36 minutes, je m'en excuse. J'espère que j'aurai pas été trop trop brouillon. En plus, il fait vraiment super chaud, j'aurais dû mettre le ventilateur. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous et on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine. Je vous ferai peut-être des mini hauls de vacances. Voilà, je pense pas vous faire de vlog à voir ou alors un tout petit vlog. Voilà, mais je ne veux pas exposer ma famille sur mes vidéos, donc ça, ça c'est pas possible, hein. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Bonnes vacances à tous. Bye bye.